Les premiers Marocains établis aux Pays-Bas sont les descendants des familles juives expulsées d'Espagne. Dès 1608, deux juifs originaires de la ville de Fès, Samuel et Joseph Palache, ont demandé aux magistrats de Middelburg, dans la province de Zélande, l'autorisation de s'établir aux Pays-Bas. L'autorisation leur fut d'abord accordée, avant d'être retirée par les États généraux, qui les soupçonnaient de collaboration avec le roi d'Espagne. Samuel Palache est né à Fès, vers les années 1560, dans une famille juive expulsée du Portugal. Son père Isaac était rabbin, issu de la classe moyenne. Samuel a été élevé dans un milieu intellectuel et dans une famille qui parlait l'arabe et l'espagnol. Au début du XVIIe siècle, en raison de la famine, de l'épidémie et de la peste qui sévissait à Fès, Samuel Palache et son frère Joseph quittent la ville en laissant femmes et enfants derrière eux. En 1605, ils vivent tous les deux en Espagne. Samuel Palache propose au roi d'Espagne de travailler pour lui comme informant sur la situation en Barbarie, Afrique du Nord, et comme commerçant orfèvre au Maroc. Mais en 1607, les frères Palache quittent l'Espagne pour les Pays-Bas, où réside une dynamique communauté juive immigrée, originaire d'Espagne, du Portugal, d'Italie et d'Afrique du Nord. À leur arrivée, les frères Palache s'installent dans la ville de Den Haag et demandent aux États généraux l'obtention d'un passeport de séjour aux Pays-Bas. Passeport qui leur a été accordé avant d'être retiré par la suite, obligeant les frères Palache à quitter le territoire hollandais pour retourner au Maroc. Au Maroc, Samuel Palache décroche les documents nécessaires et retourne cette fois aux Pays-Bas comme émissaire du roi du Maroc Moulay Zidane. Le 23 juin 1610, il rencontre le prince Moritz van Oranje et les États généraux. Le 24 décembre 1610, Samuel Palache est aux côtés d'Ahmed ben Abdallah et des représentants des États généraux, l'un des signataires du traité commercial et de navigation entre le Maroc et les Pays-Bas. Il s'agit du premier traité entre un État musulman et un État européen. À la fin de l'année 1611, il se rend au Maroc en mission officielle pour chasser les pirates du port de Marmoura. Entre 1608 et 1614, il effectue au moins 5 voyages entre les Pays-Bas et le Maroc. Samuel Palache est à la fois le diplomate, commerçant, espion et pirate. Lors de son dernier retour au Maroc, il attaque 4 bateaux, un portugais, un espagnol et 2 anglais. À la demande de l'ambassadeur espagnol, il est arrêté pour piratage et vol au port de Plymouth en Angleterre. Il sera acquitté en 1615 suite à l'intervention du prince Moritz van Oranje. De retour aux Pays-Bas, Samuel Palache est confronté à de graves problèmes financiers. Pour sa part, son frère Joseph a été nommé à sa place comme émissaire du sultan Moulay Zidane auprès des Pays-Bas. À la fin de l'année 1615, Samuel Palache tombe malade et meurt le 4 février 1616.